Le Chivluch, l'un des volcans les plus actifs de l'extrême-orient russe, est entré en éruption jeudi soir, projetant dans le ciel des nuages de cendres pouvant atteindre 15 km de haut et recouvrant de vastes zones de poussière. Le nuage de cendres s'est étendu sur 250 km à l'est et engloutit plusieurs villages dans une poussière volcanique grise, selon les autorités. L'Académie des sciences de Russie a déclaré le niveau de danger le plus élevé pour l'aviation. Les autorités locales ont également conseillé aux habitants de rester en intérieur.